Salut, c'est Wendy, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Paper Mario. Dans la dernière session, on avait fini le chapitre 3, on avait obtenu donc Binocle Étoile. Je vais vous montrer, hein, pour vous rappeler. Voilà, on a obtenu Binocle Étoile, donc on a obtenu... alors c'est l'attaque Pluie d'Étoiles Filantes, je crois, c'est ça normalement le nom de l'attaque qu'on a obtenue avec lui. Et donc maintenant, bah, on va tout simplement retourner à Toadville. Donc là, en fait, c'est assez simple. Ah, attendez, je viens de penser à un truc. Oui, voilà, c'est ça. Non ! Ouah ! Au secours ! Je suis perdu ! J'ai si peur ! Oh, Mario ! Oh, Berzy ! Je suis enrubé ! Mais je vais prendre ma revanche ! Troupa Junior, tu pleurais tout seul, perdu dans la forêt ? Stop ! Silence ! Je suis pas perdu ! Je suis votre Birgosmar ! Vous allez voir ! Donc, revenge encore contre... Je suis bien plus fort Gaban ! Regardez ! Pleine puissance. Donc on se retrouve de nouveau contre Troupa Junior. Et ce coup-ci, il a un nouvel avantage. Maintenant, il vole. Ah ah, boui, zébré. Je me suis beaucoup entraîné. Et oui, il s'est beaucoup entraîné. Parce que maintenant, il vole. Donc, on va faire un indique. Hein. Voilà Troupa Junior. Il est trop, ce mec-là. Ouah, ah, ah. Le gentil petit garçon s'est perdu dans la vieille forêt. Poker Max 40, puissance 5, défense 1. Apparemment, ses ailes ont poussé. Il peut voler. Tu dois sauter pour l'atteindre. Il est un peu costaud. Utilise un objet pour l'attaquer. Ce sera plus facile. Alors là, c'est un exemple ici. Le saut main def peut aider. Parce que vu qu'il a de la défense de base. Aïe. Il fait 5 points de dégâts. Hein, donc faut faire attention quand même. Alors ne prenez pas Bou, hein, même si elle c'est le perso qui fait le plus de dégâts, vu qu'elle a un point de def. Le problème c'est bah, vu que Troupa Junior il a un point de def, elle fait pas de dégâts en fait. C'est le problème en fait de Bou, vu que son attaque de base ne fait que un dégât à chaque fois. Vous ne... Bah, quand les ennemis ont de la défense, bah, elle sert à rien. Malheureusement... Donc là, vous voyez, c'est très simple. Vous savez quoi? On va faire un petit boost. On va booster un peu Goombario. Comme ça, je vous montre un peu le boost. Comment ça fonctionne. Donc normalement, le boost, si je ne me trompe pas, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et en fait, tant que vous n'attaquez pas... Il emmagasine, je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas, la puissance. Donc là, normalement, on a plus 4. Voilà, vous voyez. Donc là, on va le finir avec un saut classique. Alors, ça peut être utile. Hein, alors, c'est une des techniques qui est très utilisée hein, sur Super Paper Mario, que ce soit le 1, que ce soit le 2. Je vous dis après. Don Bourgois. Voilà. Donc oui, une des techniques qui est très utilisée, dans, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième Paper Mario, c'est d'avoir le batch qui booste. Alors dans le premier, je crois, les batch boost, ils sont... oui, voilà, coup boosté et il y a saut boosté, je pense. Et en fait, vous boostez, vous boostez, vous boostez, vous boostez. Et avec le saut rebond, je crois que c'est ça. Le super rebond, vu que vous sautez autant de fois que possible sur un ennemi, tant que vous ne ratez pas la commande, vous faites des dégâts de ouf, en fait. Et il y a certains boss, en fait, que vous pouvez... détruire comme ça en fait.
Alors attendez, parce que en fait là le but pour sortir de cette zone, c'est très simple en fait. En fait, il faut prendre un mauvais chemin. Normalement, ça va vous ramener en fait à la toute première zone et vous ressortez, voilà, tout simplement. Oh, Zizu est arrivé. J'ai trouvé la sortie. Yahoo! Voilà. Et donc, on va retourner à Toadville. Donc, il est pas trop difficile. Mais là, vous allez voir, la musique est pas pareille. C'est une musique différente. Donc ici, maintenant qu'on a le saut, normalement, on a, dans mes souvenirs, voilà, une plaque. Ici, vous pouvez prendre Parakari pour donner la lettre qu'on a obtenue dans le chapitre 3. Les Mascas ont fait du grabuge en ville. Mais comparé aux fantômes, les Mascas ne sont rien. Tu es Chipoté, le gardien de la forêt éternelle? Je m'appelle Parakari. Je livre le courrier. Je crois avoir une lettre pour toi. Juste une seconde. Quel travail bien fait, mais il n'est jamais terminé. Je me demande qui est Majordome. Oh non, non! Ça vient du fantôme. Il dit, je t'ai entré pendant ton sommeil, bouh. Il adore me faire peur. Il le fera vraiment. Oh non, vas-y, je vais plus pouvoir dormir. Chipoté n'a pas peur. Allez hop, pas peur. Ça va, allez, tiens, prends ceci. Donc, morceau d'étoile. Et donc là, si vous avez compris... Ah bah, voilà. Oh non, ma balle fétiche! Voilà, en fait... dans Toadville va avoir... en fait, là, il y a une invasion de Goomba. De Goomba. De Mascas, je veux dire. Et en fait, les Mascas vont... vont voler en fait plusieurs pas mal de choses à certains habitants. Là par exemple, la poêle fétiche de Marité a été enlevée. Oh, coucou mon poussin. Merci de me rendre visite, mais je ne peux pas cuisiner maintenant. Je suis désolé. Des Mascas m'ont volé ma vieille poêle. Je boue de colère. Et donc voilà, en fait, il y aura plusieurs personnages qui vont se faire voler des objets, vous allez voir. Hein. Et toi, petit gredin, touche pas à ça, rends-moi ma calculatrice. Et en fait, à cause de ça, il y a la plupart en fait des boutiques, des trucs de genre, voilà, lui il s'est fait voler sa calculette, donc la boutique de Batch n'est plus ouverte pour le moment. Donc il va falloir qu'on... Là, on peut tuer en fait les Mascas ici, enfin les tuer. On peut leur donner un coup et les faire fuir. Oh merci, les fleurs te remercient également Mario. Donc là ça c'est pas obligatoire mais bon moi j'aime bien le faire, c'est... Ça fait un petit truc en plus. Ici aussi vous voyez il y a un petit Mascas qui se balade, vous pouvez le taper. Comme ça vous pouvez réutiliser le lit, on va le faire même parce que j'ai besoin de faire une sieste. Donc là, vous vous en doutez, en fait, on va pas avoir de vrai interlude hein, entre les chapitres. Là, on va directement aller au chapitre... On va directement aller au chapitre 4. Des Mascas viennent de voler un sac complet de lettres. Il y avait une tonne de lettres importantes dans ce sac. Des factures, des cartes, des paquets. Que vas-tu faire? Donc là, pareil, voilà, il s'est fait voler... Il s'est fait voler ses enveloppes. Ici, on a... c'est... Merlon. Oh, c'est toi, Mario. Quel timing. Ça bouge en ville aujourd'hui. Bref, c'est pas mon problème. J'ai fait un rêve la nuit dernière et un oracle m'est apparu. Sa voix était enchanteresse. Si tu tournes autour du palmier rouge dans la lointaine ville désertique, campement sec-sec, quelque chose d'agréable devrait se produire. Voilà ce qu'elle disait, cette voix. Je ne comprends rien du tout. Ça me travaille tellement que j'ai du mal à endormir. Si tu en trouves la signification, viens me la donner. Donc voilà, donc là, en fait, on a eu un indice pour une petite quête secondaire qu'on verra sûrement après le chapitre 4, je pense. Bulletin d'information. Invasion de Mascas, vol en série. Un escadron survolté de Mascas s'en prend à Toadville et à nos chers concitoyens.
Les vols sont trop nombreux pour être cités. C'est pourquoi nous vous conseillons de veiller sur vos biens. Nous ne savons pas encore où se trouve la cachette des Mascas, mais nous vous en tiendrons informés. Les panneaux de l'injustice. Combien de Koopa Troopa Mario a-t-il battu? Quelle honte, un Koopa anonyme. Donc, ici, normalement, je crois qu'il y a, va avoir un, encore un truc. Ici, ce magasin-là, il aura pas de problème. Ah si, il y a un problème. J'avais zappé. Ah, attendez, on va... J'avais oublié ça. Là, en fait, le Mascas, il a pris la place du vendeur. Un Mascas a repris mon magasin, mon précieux magasin. S'il te plaît, Monsieur Mario, bout ce Mascas hors de mon magasin. Donc, en fait, si vous essayez de... Si vous allez, en fait, ici, il voudra rien vous vendre, en fait. Tihihihi, bienvenue au magasin des Mascas. C'est dommage, mais je ne vais rien te vendre, Mario. Donc, en fait, vous le tapez, hein, tout simplement. Oh non, pauvre de moi. Oh. Et voilà, il revient. Bon, là, voilà, il vous dit juste qu'il vous... Il vous vendra des trucs. Il parle de bon prix, hein, mais il vous fera jamais de bon prix. Hein. Arg, je ne trouve plus mes mots. J'ai besoin d'un dico. Donc voilà, lui, il se fait voler son dico. Donc là, on va aller chez nous. Parce que chez nous aussi, il y a des Mascas. Voilà, il y a un Mascas qui embête Luigi. Alors, dans mes souvenirs, en fait, faut juste aller à un endroit... Si vous vous mettez là, normalement, il sera... À un moment, il se mettra là et vous avez juste à le taper. Donc là, on va parler à Luigi. Ouf, ouf, je saute bien, mais je dois faire des progrès en course. Bientôt, je serai indispensable à notre équipe. Relax, je sais que je ne peux pas partir. Vas-y, de toute façon, je ne veux plus y aller. Tu dois sauver la princesse Peach le plus vite possible. Dépêche-toi. Je sais plus du tout quelle voix je lui avais donnée à Luigi, j'ai essayé de lui donner une petite voix, là. Et donc là, bon, on va vérifier les lettres, hein, parce qu'on a des nouvelles lettres. On a Mustapha. Hé, hey, l'étranger! J'ai entendu tous tes exploits. Les gens t'apprécient vraiment par ici. Je suis rassuré que les sbires de Bowser ne pillent plus nos ruines. Malheureusement, quelques reliques ont disparu. Quel dommage. J'ai appris qu'un Koopa à l'air louche se promenait dans les ruines. Tu devrais être prudent si tu venais à rencontrer des gens louches. J'ai hâte d'entendre la suite de tes aventures, Mustapha. Donc en fait, les reliques qui ont disparu, c'est la relique qu'on a donnée à Colorado, en fait. Et Colorado, c'est le fameux Koopa un peu louche. Comment ça va, mon vieux? Je viens de terminer les recherches dans les ruines que j'ai trouvées. Que j'ai trouvées, hein, lol. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les trésors que j'espérais. Je vais continuer ailleurs, mon vieux. Il y a des trésors dans le monde entier. Ils m'appellent, me suppliant de les déterrer. Et donc ici, vous vous souvenez, hein, je vous en avais parlé, qu'il y avait ce plancher un peu bizarre. Donc maintenant, en fait, qu'on a le saut, la charge au sol, comme ça, on peut en fait passer ici. Et en fait, il y a un sous-sol secret avec le journal intime de Luigi. Donc là, il y a deux pages pour le moment. Une fois de plus, mon frère est parti pour une aventure incroyable. Une fois de plus, il est parti sans moi. Je me souviens des jours tranquilles où nous jouions au golf, au tennis et où nous faisions du kart. J'ai creusé une cave secrète dans la maison sans que mon frère s'en rende compte. C'est le meilleur endroit pour te cacher mon journal intime. J'ai appris qu'un gros, un énorme fantôme était apparu dans toute ville aujourd'hui. Il avait les yeux rouges, une mâchoire gigantesque et une moustache. Comme tu es mon journal intime, je vais te dire la vérité. Je déteste les fantômes. Que vais-je faire si Mario n'est pas là et qu'ils apparaissent la nuit? Je peux presque en sentir un derrière moi. Ah, je suis certain qu'il est là, mais je n'ose pas regarder. Va-t'en! Je pense que ça devrait aller. Je vais fermer les yeux et compter jusqu'à 5. Ensuite, je me mets à courir et je saute dans le lit. Donc voilà, donc en fait, ici, il y aura des petits... Il y aura des petits messages de Luigi comme ça. On ira les voir à chaque fin de chapitre. Normalement, il y en a un nouveau, je pense. À chaque fois qu'on finit un chapitre, il y en aura un nouveau, comme pour les lettres, en fait. Donc, retour dans la terrible... La terrible ville de toute ville.
Et donc là, en fait, tout simplement, on va aller directement commencer le prochain chapitre. Je vais juste aller vérifier. Normalement, si je me trompe pas... Oh, attendez. Parce qu'il y a Monsieur Malou qui veut sortir. Voilà. Voilà, normalement, il y a... Il y a des mascas qui viennent, qui embêtent un petit peu. On va juste... voilà, c'est si au cas où vous voulez retourner à... Au moins accidenté par le train, bah faut le taper pour pouvoir reprendre le train, parce que sinon il ne veut pas. Oui, parce que même si c'est des monstres, ils vont pas écraser un mascas avec un train. Donc voilà, voilou. Donc normalement, je vais... Voilà. Mario ! Ah oui ! Oh, il y a Tincelle. Mario ! Mario, Mario ! Content de te voir ! On a appris que tu avais vaincu tout blablabla ! Je savais que tu en étais capable ! Je le savais ! La princesse était soulagée d'apprendre la nouvelle ! Oh oui ! J'ai des informations sur les esprits étoiles toujours emprisonnés ! Connais-tu le coffre au mascas? On dit qu'un des esprits étoiles y est enfermé. Mais où est donc ce coffre au mascas? Aucune idée. Oh, le temps presse. Je dois retourner voir la princesse. Bonne chance, Mario. Princesse Peach et moi sommes de tout cœur avec toi. Donc voilà. Donc ici, on va normalement avoir, je crois, en entrant... Voilà. Hé, hey, toi, voleur! Donc ici, le magasin fonctionne toujours, mais en fait, le marchand s'est en fait fait voler la clé de l'entrepôt, je crois, c'est ça. Oh Mario, c'est toi. Des mascas m'ont volé ma clé d'entrepôt. Je peux pas continuer mon business si je n'ai pas accès à l'entrepôt. Que vais-je pouvoir faire? Et donc, logiquement, là, on a vu tous les objets qui ont été volés. Si mes souvenirs sont bons. Donc la petite chose qu'il faut savoir, c'est que si on parle, je crois que c'est à ce personnage... Je les ai vus, les gredins. Les mascas sont entrés dans la maison inhabitée à droite. Crois-tu que c'est peut-être leur cachette secrète? Donc voilà, donc en fait, il parle de... la jeune Toadette, là, parle de cette maison qui est inhabitée. Vous vous souvenez, hein, je vous l'avais montré, il y avait cette maison qui était vide. Et en fait, le truc... je sais pas si... Oui, si, regardez. Oh non, c'est Mario! Donc voilà, donc là il y a un mascas qui est entré, mais aussitôt qu'il nous a vu, il s'est barré. Donc là, en fait, le truc qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre invisible, et on va attendre. Et donc voilà la vérité, en fait... de cette maison, c'est qu'en fait, il y a un passage dans le mur qui est juste ici. C'est un coffre à jouer. Il y a quelque chose dedans. Et donc là, en fait, tout simplement, si on saute sur ce trampoline, on entre dans le coffre à jouer et on active le chapitre 4, tout simplement. Joujou dans le coffre à jouer. Donc, vous voyez, il y a des fois, il n'y aura pas grand chose à faire pour atteindre le nouveau chapitre. Là, vous voyez, on est juste allé à toute ville, paf, et voilà. Et donc, nous voilà à. Bah, dans le coffre à jouer, hein, tout simplement. Il y a des toads. D'habitude, je travaille ici à la gare bleue. Mais comme il n'y a pas de train, je suis sans emploi. Bienvenue à la gare bleue. Malheureusement, je ne peux pas t'emmener à une autre station. Nous avons tout ce qu'il faut, mais notre train a disparu. Donc voilà, donc là ici il y a un levier mais on s'en occupera beaucoup plus tard. Et donc on a deux chemins, on va prendre celui-là normalement. Je vais prendre celui-là pour le moment. Et donc ici, bah bien sûr, vous avez des mascas, et il y aura que des mascas. Mais vous allez voir des mascas avec des styles différents à chaque fois. J'aurais cru que ça l'aurait tué en fait. C'est un mascas, ils ne valent pas un pied de lapin. Poker Max 7, puissance 2, défense 0. Ils lancent parfois des attaques acrobatiques d'une puissance de 3.
Qui sait ce qu'il y a dans le cœur de ces troubles faits ? Ils sont dangereux, mais tu n'auras pas de problème. Alors ça, c'est l'attaque acrobatique. Quand il fait le... C'est l'attaque acrobatique, en fait. Je vais peut-être level up à la fin de ce combat, logiquement. Je me dis. On va faire un petit marteau séisme. Comme ça, je vais tuer le premier et je vais taper les deux autres derrière. Ah, petite amélioration grâce au sort. Ah, le sort n'est plus actif. Donc là, vous avez vu, ça a indiqué que le sort n'était plus actif. Donc là, ça veut dire qu'en fait, c'était le dernier sort que j'allais avoir, en fait, tout simplement. J'aurais pu faire un marteau séisme, en vrai. Ça aurait tué les deux, comme ça. Donc là, si je reveux le sort, il faudra que je retourne au campement sec-sec et que je repaye pour le sort. Sûrement, j'irai faire ça hors vidéo, en fait. Donc, on va augmenter les PF. Donc là, ici, vous voyez un masquasse de couleur noire. Vous pouvez lui parler. Qu'est-ce que tu veux ? Touche pas à Skoff, l'ami. Il est à moi. Alors barre-toi. Alors, en vrai, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Et on va tenter. Parce que, en fait, là, je vais vous expliquer vite fait. Comme vous avez vu, en fait, ce masquasse, il est un peu différent parce qu'il vous parle. Il essaye pas de vous taper de base. Parce que, en fait, c'est un masquasse très puissant. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde. Parce qu'il y a des chances que je meure, mais je veux le tenter parce que si on le réussit, l'objet qui est dans son coffre est très très intéressant, en fait. Tu veux te battre ? Tu es fou, tu devrais partir vite et loin. Es-tu sûr de vouloir te battre ? Quoi ? Comme tu veux. Je vais faire qu'une bouchée de toi. Tu vas le regretter. Ne retiens pas tes coups. Donc voilà. Voilà, vous voyez, vous entendez le son. C'est compté comme un boss, hein. Il fait très mal dans mes souvenirs. J'ai pas mal d'objets de soins. En vrai. J'aurais peut-être dû reprendre... je regarde, mais je crois qu'on ne peut pas fuir ce combat maintenant. Ouais, voilà, la fuite n'est pas possible. Donc on va faire un indique. C'est un masse anti. Ses attaques sont si fatales qu'on l'appelle masse mortelle. Point cœur masse 50, puissance 10... Donc non, je pense que je peux pas gagner pour le moment. Sa puissance est de 12 lorsqu'il lance une attaque acrobatique, prends garde. C'est pas de la gnognotte, alors prends-le au sérieux. Donc je pense que je ne peux pas gagner ce combat pour le moment. Ou alors il faut... S'il y a moyen de gagner en fait, mais il faudrait... Alors je vais tenter un truc. En fait, il faut des objets défensifs de ouf. Il faut... En fait, je voudrais voir si... Ouais, non, ça nous fait des dégâts quand même. Je voulais voir, en fait, si... vu que il nous touche, je voulais voir si ça faisait qu'on prenait les dégâts ou pas. Je pense que je ne peux pas gagner ce combat pour le moment. Ou alors, je peux gagner ce combat, mais alors... Ça va être très long. Et il faut utiliser bout de ouf. Parce que là, vous voyez, hein, je me suis pris super cher. On va tenter, en vrai, je vais tenter on va tenter une technique. Hein. Non, le problème, c'est qu'on se prendra quand même un coup sur deux. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on va se prendre un coup sur deux, en fait. Parce que là, vous voyez, je vais l'esquiver. En fait, il me faut des... Il y a moyen de gagner, mais il me faudrait des... Il me faut du gel.
Sans gel, je pourrais pas gagner ce combat. Et je crois pas qu'il y en a d'achetable pour le moment. En fait, le truc, c'est qu'il faut avoir énormément de chance. Si vous voulez le faire si tôt, il faut vraiment avoir beaucoup de chance, en fait. Là, faudrait espérer que le... Voilà, il aurait fallu que j'espère avoir le... Comment ça s'appelle ? On voit, comme ça, on voit un game over.